Et coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, alors qui devait être certes un littérétro, voilà, mais il y a eu un petit contretemps pour cause de coupure d'internet au mauvais moment, et donc j'ai reporté le littérétro. Du coup il aura lieu en live, il aura lieu le 13, donc il sera posté je pense le jeudi suivant, le 15. Mais du coup, par contre, voilà, j'ai pas changé mon planning en ce qui concerne le reste. Donc aujourd'hui, on est dimanche soir et je tourne en live un bilan lecture, le bilan lecture qui était prévu. Et donc, comme d'habitude, je vais commencer par mes abandons et ensuite par mes mauvaises lectures jusqu'aux meilleures. Ouais, ça n'a pas été un... Alors c'est quoi, 2 semaines, 20 jours que j'ai pas fait de bilan lecture. Bon, ça n'a pas été de ouf. D'une façon générale, le mois de janvier n'a pas été de ouf. Et je vous avoue que le mois de février commence pas forcément super bien non plus. Mais bon... Alors pas que, hein, mais bon, ça vous verrez à la fin pour mes lectures en cours. Pour le moment, donc, on va commencer... Non, la panne de lecture... Alors oui, la panne de lecture est plus ou moins résolue parce que je suis plus motivée à lire. Mais c'est pas encore... voilà, c'est pas encore parfait. Hein. Ouais, j'ai eu une panne de lecture. C'était pas une panne de lecture en mode j'arrive plus à lire, c'était une panne de lecture en mode tout ce que, enfin, rien ne me plaît dans ce que je lis. C'était vraiment c'était assez compliqué, mais bon. Je commence par mon premier abandon. En tout, il y aura eu 5 abandons en janvier. 5. D'habitude, si j'en ai 2 dans le mois, c'est énorme. J'en ai eu 5. Donc là, c'est les 2 derniers. Tout d'abord, Nevernight. Bon, j'ai tenté, j'ai fail. Alors oui, je m'y attendais, mais quand même, on ne sait jamais. J'ai déjà eu des coups de cœur en sortant de ma zone de confort. Mais là, ça ne l'a pas fait. Donc, c'était le tome 1. On devait le lire. En plus, c'était Séverine qui me l'avait offert. Pour que je puisse le lire en LC avec vous. Le piège, le cadeau empoisonné. Le gros piège. Ah bah tiens, quand on parle du loup, mais qui voilà? Mais qui voilà? Coucou Seb. Ouais, elle se marre. T'as la sadique. En même temps, toi non plus, t'auras pas duré trop longtemps dessus. Hein. Je veux pas dire, mais bon. Bon, voilà. Du coup, écoutez, j'ai tenté. Hein, voilà, je me suis pas... J'ai pas été lâche. J'ai pas été lâche, je me suis lancée. C'était un samedi, c'était le 20, je m'en rappelle. Voilà, on a été plusieurs à... Bisous, Seb. On a été plusieurs à commencer en même temps cette lecture. Et bah voilà, il y en a qui ont surkiffé. Alors déjà, il y avait une grosse hype sur ce titre, hein, on va pas se mentir. Je suis vraiment unpopular opinion, hein, sur cette lecture, je tiens à le préciser. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont kiffé. Mais voilà, après, tout le monde n'est pas... On n'est pas tous et toutes des grosses lectrices de fantasy. Et voilà, il y en a pour qui ça l'a moins fait. Et moi, la première, franchement... Mais moi, j'ai surtout eu... C'est pas tant l'histoire. C'est que j'ai surtout eu du mal avec le style. J'ai surtout eu du mal avec le style. Le style qui était un peu... Alors, on était vraiment dans du médiéval fantastique. Et je sais pas, il y avait un espèce d'humour un peu... qui se voulait un peu à la Terry Pratchett, j'ai l'impression. Mais n'est pas Terry Pratchett qui veut. Hein. Et je sais pas, ça le faisait pas avec moi. J'avais vraiment du mal. Et j'avais du mal avec l'écriture que je trouvais assez lourde. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire et au bout de 150 pages, j'ai vraiment... Il y en a plein qui disaient « Ouais, faut dépasser les 100 pages parce qu'au début, c'est long à se mettre en route. » Ok, mais moi, au bout de 150 pages, j'étais toujours pas dedans. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Écoutez, c'est pas très grave, hein. Il y a plein d'autres choses à lire et tant mieux pour les gens qui ont adoré cette saga. J'en suis ravie pour eux et elles. Mais voilà. C'est comme ça, on ne peut pas tout aimer. Et c'est vrai que dans la fantasy, il n'y a pas énormément de choses que j'aime. C'est assez difficile au niveau fantasy. Mais voilà. Celui-là, ça l'aura pas fait. Voilà, et le deuxième abandon, alors là, je suis à la fois surprise et en même temps, ça s'explique. Alors là, Sève, elle va peut-être un peu râler, mais bon, si elle est encore là. C'est Annabelle de Lina Banks d'auteur. Alors, je ne suis pas allée très loin, je ne suis vraiment pas allée très loin, parce que dès le début, il se trouve que le personnage principal de l'enquêtrice, qui est Charlie, m'est sortie par les yeux, en fait. J'ai eu trop de mal à la supporter, désagréable avec tout le monde, désabusée, enfin voilà. Mais en vrai, je pense que c'est un peu une excuse. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'est vraiment passé, je pense, c'est que j'ai surtout fait une overdose de thriller en ce mois de janvier. Vraiment. Parce que, je veux dire, par exemple, bon, en novembre, il y avait le Black November et j'ai eu plein de coups de cœur dans le Black November. Franchement, j'ai vraiment eu un excellent mois de lecture ce mois de novembre. Et donc, je m'étais dit, du coup, parce que moi, j'avais délaissé les thrillers pendant un bon moment et je m'étais dit, tiens, mais finalement, t'as des coups de cœur avec des thrillers. Et je me suis un peu remise dedans. J'en ai un peu moins lu en décembre, parce que décembre, c'est Noël et tout ça. Mais du coup, je m'y suis remise en janvier. Le problème, c'est que c'est pas tant les thrillers. Le problème, c'est que je n'ai lu que le même type de thriller. Alors qu'en novembre, j'avais vachement varié les thématiques et les genres et les thématiques. Puisqu'il y avait du true crime, il y avait du thriller domestique. Voilà, il y avait plusieurs choses différentes. Alors que là, en janvier, comme on était dans le mois un peu polar scandinave, tout ça, j'ai lu surtout... Ah ouais, c'est vrai, Sève. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi... Ah ouais, même le dernier Max Monoé, t'as du mal. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est que j'ai trop... Là, j'ai lu que du thriller d'enquête, plus ou moins scandinave, pas que, mais voilà, en tout cas, j'ai lu que du thriller d'enquête. Et au bout d'un moment, voilà, je pense que j'ai fait une overdose et le Annabelle que j'ai sorti alors que j'étais en pleine panne de lecture, il n'est pas passé du tout. Voilà, il n'est vraiment pas passé. J'ai oh non, c'est bon, allez. Donc peut-être que je le ressortirai à un moment où voilà, j'aurais fait un peu un sevrage de thriller. Là, vraiment, là, février, je n'ai pas prévu de thriller. Enfin, j'en ai prévu un, je ne suis pas sûre de le lire. Voilà, je me fais un sevrage là. Je vais être plus contemporain, roman noir, voilà, ça va être plus ça, je pense, en février, mais... Ah ouais, non, mais c'est chiant quand c'est le même schéma, ouais, c'est un peu relou, ouais. C'est un peu relou, mais voilà, ben là, c'était un peu ça aussi, c'était un peu tout le temps le même schéma, donc... C'était compliqué, donc voilà pour mes deux abandons. Ensuite, alors, ma moins bonne lecture, c'est pas un thriller. Et c'est pas un roman de janvier, c'est mon premier roman de février que j'ai terminé. Et franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est La Maison des Jeux, le tome 1 de Claire North. Ça commençait super bien. Ça commençait super bien. J'étais hypée de ouf. C'était trop bien. J'adorais l'écriture. Vraiment, j'adorais le style. C'était assez original, une narration à la troisième personne du... à la première personne du pluriel, pardon. C'est-à-dire nous, voilà, une narration en nous, qui parfois s'adresse un peu au lecteur, mais ça reste léger, donc ça va. Mais en gros, voilà, nous suivons telle personne, etc. Et au début, donc en fait, l'histoire, c'est que... Je n'ai même pas parlé de l'histoire de mes abandons, hein, mais parce que c'était des abandons, donc désolée, j'ai pas parlé des synopsis. Là, je vais en parler. Donc là, en fait, on est à Venise. Alors, on est au... Je crois qu'on est au 18e siècle, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on suit une jeune femme. Alors, on est dans ce qu'on appelle la maison des jeux, où voilà, c'est un endroit un peu où la haute vient jouer aux échecs, à plein de choses comme ça. C'est un peu le casino quoi, de l'époque, on va dire. Et donc, on suit une jeune femme qui a un mari assez horrible, un peu violent, toxique, voilà, et qui flambe tout son fric, et son fric à elle aussi d'ailleurs, hein, dans cette maison des jeux. Et un jour, donc, elle l'accompagne à chaque fois, et voilà, elle est un peu potiche, quoi. Et un jour, elle va se retrouver, elle va rencontrer un homme qui s'appelle, alors elle s'appelle Ten, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Argent, c'est un pseudonyme, hein. Et il va lui proposer de faire une partie d'échecs. Et en fait, je crois qu'elle va gagner. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle est super forte. Et au final, petit à petit, elle va un peu se détacher de son mari et elle va faire son truc dans son coin. Voilà, elle va faire ses parties, elle va gagner de l'argent et tout ça. Et elle va être repérée par les hautes sphères qui vont lui proposer en gros un jeu grandeur nature où les pions, ce sont des personnes et le but, c'est de mettre quelqu'un sur le trône, à la tête de Venise, hein, si la mémoire est bonne. Je dis ça alors que je l'ai lu il y a 2 jours, mais bon, c'est vrai que j'ai une mémoire de merde. Et donc voilà, bon, moi, franchement, au début, j'étais hypée. Et toute la première partie où on suit Ten, etc., je trouvais ça génial. Mais quand le jeu va commencer, je me suis fait yesh, mais vraiment. Déjà, j'étais trop perdue entre tous les personnages. Il y a 40 milliards de personnages. Alors moi en général, c'est pas un truc qui me gêne quand il y a plein de personnages. Mais là, le truc, c'est que j'arrivais pas à savoir qui faisait quoi, etc. En fait, les règles du jeu, elles étaient pas du tout claires. En plus, je comprenais rien. Putain, pourtant, ça m'avait hypé, quoi, l'idée. Mais je ne comprenais rien à ce que je lisais. Et je sais pas, il se passait des trucs chelous. C'était vraiment bizarre. Et voilà, et la fin était bien, mais du coup, bah, alors le livre est pas très long, hein, il fait moins de 200 pages, mais je me suis fait chier pendant les 3 quarts, quoi. J'ai pas compris. J'ai pas compris, je comprenais pas le jeu, je comprenais pas les enjeux. Enfin, si, un peu, parce que c'était des enjeux politiques. Mais pourtant, ça avait tout pour me plaire, quoi. Les trucs politiques et tout, le jeu, le machin, ça avait tout pour me plaire. Et voilà. Alors, c'est... Ouais, c'est fantasy sans être fantasy, parce que en vrai, le fantastique est pas très présent, j'ai trouvé. Voilà, c'est très, très léger, hein. C'est très, très léger. On est plus... J'ai un cheveu, là, qui me gêne, là. Voilà, c'est très léger, hein. On sait plus des... C'est plus de la stratégie, de jeu, etc. Mais je sais pas. Oui, la couve est magnifique. Bah, c'est les éditions Le Bélial. Hein, voilà. Et je suis dégoûtée de ne pas avoir aimé. J'en suis la première déçue. J'aurais aimé ce livre. Surtout que voilà, j'aurais voulu lire le tome 2 et tout. Mais là, je suis pas sûre d'aller vers le tome 2 parce que... Je sais pas. C'était incompréhensible. Voilà. Parce que... Mais s'il y a d'autres gens, toi Karine, toi tu l'as lu, hein, ouais, t'as dit que c'était assez bizarre. S'il y a d'autres gens qui l'ont lu et qui savent expliquer. 17e siècle, merci Karine pour la correction au passage. Mais voilà. Ouais, c'est clair Viviane, c'est clair que c'est difficile. Mais en vrai, Claire North, ça l'a pas démérité là, parce que vraiment c'est super bien écrit, c'est original. Voilà, j'aurais aimé, mais je sais pas. Ouais, bah tu me diras pour le 2. Peut-être le 2 est mieux, hein, on sait pas. Coucou Jodiane. Ah super, j'espère que tu t'es régalée dans le Jura. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, c'est un peu le... C'est un peu le bilan lecture de la loose. Bon, il y en a que j'ai beaucoup aimé, mais voilà. Le portrait de la Traviata de Do Jin-gi. Je m'étais dit, allez, pour me sortir du truc, je vais lire de l'asiatique. Voilà, donc là, je suis partie dans le coréen. Du coup, je me dis, bon, allez, un bon polar coréen, ça va le faire, il n'y a pas de raison. En plus, c'était un truc un peu à la Agatha Christie. Donc, il y a un double meurtre dans un appartement, donc c'est un appartement qui est habité par une femme seule, et on va la retrouver morte, et on va retrouver son voisin également mort à côté d'elle. Donc ils ont tous les deux été assassinés, c'est sûr, reste à savoir par qui, pourquoi, etc. On apprend qu'il n'y avait pas de liaison entre eux, mais que le voisin l'a harcelé. Et voilà, et on sait que la femme, donc la jeune femme, avait un petit ami qui l'appelait très souvent. Et en fait, elle était au téléphone avec lui au moment où il y a eu la personne qui l'a tué, le tueur qui est venu pour la tuer. Voilà, et donc c'est un inspecteur de la police donc, qui va s'occuper de l'enquête. Mais au bout d'un moment, il va être aidé par un avocat, donc il va être un peu le héros de cette saga, donc c'est le premier tome. C'est un avocat en fait qui ne plaide pas au tribunal, mais qui aide les gens, et bon, pas forcément de façon très honnête en fait. C'est ça le truc. C'est un genre, cet avocat, c'est un genre de Dr House du tribunal, enfin du tribunal, de la justice, on va dire plutôt. C'est un genre de Dr House de la justice, c'est-à-dire que il arrive toujours à ses fins, il est hyper intelligent et tout ça, mais il n'est pas forcément très honnête et voilà, il a un caractère un peu particulier, quoi. Et alors non, c'est pas celui-là qui est vieillot. Ça, c'est plus le... C'est le japonais, j'en parlerai après. Non, alors, le problème de celui-là, parce que c'était quand même sympa à lire, hein. Honnêtement, je me suis pas fait chier dans ma lecture. C'était sympa, c'était intéressant, mais alors, je suis désolée, mais l'avocat, quand il arrive... Alors déjà, il arrive au milieu du livre, hein, quand même. Bon, c'est censé être le héros, mais il arrive au milieu du livre. Voilà, pas très éthique, c'est ça, exactement, Karine. C'était le terme adéquat, c'est pas très éthique. Donc il arrive et donc parce que l'autre, l'inspecteur lui demande conseil et il lui dit, putain par contre j'ai oublié, je crois que c'est Gojin le nom de l'avocat, et l'inspecteur je sais plus, je sais que son nom de famille c'est Lee, donc on va l'appeler Lee, et donc voilà, Gojin il arrive et il lui dit bon alors en fait c'est lui qui a fait ça comme ça, et en fait il lui sort tout le truc. Ok. Et donc, effectivement, oui, ça semble logique, son machin, mais le truc, c'est qu'il sort sa doux de son cul, je suis désolée, mais à chaque fois, c'était ça. Et donc, alors après, donc l'inspecteur Lee donc, lui dit, ah, ouais, ok, mais alors, dans ce cas, qu'est-ce que tu dis de ça? Et bon, ce qui était bien, c'est que tous les détails étaient importants. Voilà, tous les détails. Hein. Moi, à chaque fois que je me disais, attends, mais ça, il y a ça qui va pas et tout ça, c'était toujours effectivement repris. Ah oui, non, mais ça, il y a ça qui va pas. Et donc Lee va prendre effectivement son hypothèse et il va voir que ça marche pas pour tout, etc. Et donc il va revenir vers lui. Coucou Alice, j'espère que tu vas bien. Et l'autre, il va lui dire, ah, ah mais en fait, c'est parce que j'avais une deuxième hypothèse. Et donc c'est ça, ça, ça. Moi, j'étais là, mais tu te fous de ma gueule. T'es sérieux, mec? Mais c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'était pas crédible. Je veux dire, le truc en soi était crédible dans le sens où, ben oui, il n'y a rien qui sort de l'opération du Saint-Esprit. Mais comment tu peux penser à ça? Parce qu'à aucun moment, parce qu'il dit, oui, mais c'est parce qu'il y avait ça, ça, ça. Non, mais d'accord, mais à quelle heure tu fais ce genre d'hypothèse? C'est pas possible. C'était un truc complètement tarabiscoté. J'étais là, bon... Et à chaque fois c'était ça. Mais c'était enfin, ce qui était intéressant, c'est que en fait le moindre détail était passé sous était testé en fait, en gros, hein, à chaque fois. Donc j'ai bien aimé quand même le côté où l'inspecteur il va tout vérifier, etc., en long, en large, en travers, que le moindre truc, le moindre petit grain de sable dans l'engrenage, ça va pas, du coup ça annule tout, etc. Non, je l'ai pas abandonné parce que j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai beaucoup aimé dans le sens où c'était sympa, mais quand tu regardes objectivement, je suis désolée, mais c'est pas, enfin l'avocat il était même pas sur la scène de crime, il arrive comme ça, il dit ah oui non mais ça doit être ça, 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 ça. Non, mec. Non. On n'y croit pas. Coucou, Nelly. On n'y croit pas. Donc, voilà. Enfin, bref. Du coup, voilà. J'ai lu ça en mode, ouais, bon, ok, c'était sympathique, mais je suis désolée. Pour moi, c'est pas une vraie enquête policière sérieuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était sympa comme ça. C'était sympa pour le... L'enquête en elle-même était sympa, mais le personnage de Gojin, de l'avocat, t'es là, mais non, mais tu peux pas deviner tout ça. Moi, j'aurais aimé, pour le coup, franchement, j'aurais trouvé ça génial qu'on soit arrivé à cette conclusion petit à petit. Mais pas qu'on parte de cette conclusion, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on partait vraiment du truc de l'hypothèse totale, parce que... il se trompait sur certains trucs à chaque fois, donc on revenait, machin, mais au final, il avait quand même raison sur le principe. Et je veux dire, ce principe-là, tu te sors pas de ton cul, quoi, c'est pas possible. À un moment, bon... Bref, voilà, c'est ça pour ça. Mais bon, après, je sais pas, je pense que je testerai quand même le deuxième tome pour voir. D'un côté, c'était rigolo, hein. Voilà, bref. Bon, ensuite, celui-ci, La Maison Noire de Yusuke Kishi. Quelle déception, quelle déception. Bon, pareil, c'était quand même sympa à lire, mais... c'était boomer, c'était vraiment boomer. Donc Yusuke Kishi, c'est l'auteur de La Leçon du Mal, que j'avais surkiffé. Vraiment. Je suis absolument fan de ce thriller. D'ailleurs, il faut que je voie le film. Il y a un film. Hein. Avec ce prof psychopathe. Et là, donc, dans la maison noire, donc rien à voir avec La Leçon du Mal, là, on va suivre un assureur. Parce que pourquoi pas. Qui est un peu spécialisé dans tout ce qui est assurance vie, assurance santé, etc. Puisque au Japon, donc il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas la sécu comme en France. Hein, tout le monde a des assurances. Et notamment des assurances vie. Et donc, en fait, cet agent d'assurance, il est un peu chargé aussi de vérifier, ben voilà, de vérifier que il y a bien lieu de souscrire une assurance et il y a bien lieu de verser les fonds de l'assurance si, voilà, si c'est nécessaire ou pas, quoi. Parce que, évidemment, il y a des fraudes. Et donc, d'ailleurs, le début était extrêmement intéressant parce que ça nous fait vraiment ça nous explique un peu comment fonctionnent les assurances au Japon. Et notamment, voilà, ça va parler des assurances vie et donc des trucs qui sont vraiment arrivés, hein, de personnes, comment des personnes ont fraudé des assurances vie, par exemple, en s'amputant d'un doigt eux-mêmes pour, voilà, pour faire marcher l'assurance. Donc là, c'est pas une assurance vie, c'est une assurance santé, entre guillemets, voilà. Donc en cas de handicap, en fait, ce genre de choses. Non, clairement pas, Karine, clairement pas. Bisous, Anya! Bonne nuit. Non, clairement pas à la hauteur de La Leçon du Mal. Et voilà, mais tout ce passage sur les assurances était extrêmement intéressant. Vraiment, je me suis régalée, j'ai appris plein de choses, c'était cool. Et donc cet assureur, en fait, il va être sollicité par un client qui va lui dire « Venez chez moi pour constater, faire un constat, en fait, parce que je dois toucher une assurance. » Donc il y va. Et le constat, c'est qu'il y a un gamin qui est pendu dans le salon de la maison. Tout va bien. Voilà. Et donc, le mec qui est le client qui est en fait le beau-père, donc c'est le compagnon de la mère du gamin, il dit, bah voilà, le gamin, il s'est suicidé, donc maintenant, avec ma femme, on veut toucher l'assurance, quoi. Bah... ça passe. Et donc forcément notre héros, c'est Wakatsuki, le héros. Wakatsuki, oui, des fois je me rappelle des noms des gens. Donc Wakatsuki, il est un petit peu sceptique quand même. Il se dit bon, je veux pas dire. Le mec, il a pas trop l'air perturbé d'avoir son gosse pendu dans la maison. Tout ce qu'il veut, c'est son fric. Donc petit doute sur ce que c'est bien un suicide, cette affaire-là, quand même. Hein. Bon. Et du coup, alors évidemment, il appelle... Ouais, ça sent les problèmes. Donc, il appelle la police. La police lui dit, bah oui, évidemment, on va enquêter, tout ça. Sauf qu'au final, comment j'allais dire le diagnostic, la conclusion de tout ça, c'est que c'est bien un suicide parce que il y a eu une autopsie évidemment, etc. Et donc ils ont montré que a priori non, il s'est bien pendu tout seul. Bon, bien un suicide. Mais Wakatsuki, il croit pas. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà, il y a un truc qui va pas. Et donc voilà, on va suivre. Je viens de péter mon marque-page en le triturant. Putain, faut que je le répare. Merde. Oh non, ça va, je peux le remettre. J'ai enlevé la breloque. Ça s'est défait. Merde. Bref, c'est pas grave. Désolée, hein. C'est ça d'avoir de toujours tripoter des choses là. 12 ans, pardon, 12 ans le gamin, la victime. Et donc voilà, on va suivre Wakatsuki qui va essayer d'enquêter là-dessus, tout seul dans son coin, ce qui n'est absolument pas dangereux. D'ailleurs, il va en faire les frais et notamment ses proches vont en faire les frais. Voilà, donc il va y avoir des petites agressions, des petits morts, des petits morts. Bon, bref, vous m'avez comprise. Voilà, donc et trigger warning chat aussi, accessoirement. Sinon, c'est pas drôle. Mais voilà, et voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. En soi, l'enquête était intéressante. Tout le truc sur les assurances était intéressant. Il y avait des choses qui auraient pu être intéressantes sur la santé mentale, mais on est, voilà, il faut savoir, donc je commence par là, il faut savoir que ce roman a été écrit, il a été publié au Japon en 1997. Et que donc forcément, il a 25 ans, plus de 25 ans même, et donc il n'est pas très à la page, voilà, et notamment au Japon d'autant plus, sur tout ce qui est santé mentale, mais aussi tout ce qui est social, oppression, etc., puisque, bon, c'est ultra misogyne, et c'est homophobe aussi, voilà. Donc bon... Comment vous dire, non, voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que vraiment les femmes sont, sont toutes forcément méchantes. Les femmes sont forcément méchantes. Soit elles sont méchantes, soit elles sont naïves. Les gays sont malsains. Voilà. Bon, c'était un peu chaud. Et puis au niveau de la santé mentale, bon, c'était intéressant tout le côté sociopathie, psychopathie, mais pas bien géré non plus, pas bien géré. Voilà, du coup, en fait, quand j'y réfléchis, j'aurais même dû le mettre en dessous de Do Jin-gi, parce que Do Jin-gi, bon, c'était pas crédible et tout ça, mais au moins, il n'y avait pas ce problème-là dedans, quoi. D'ailleurs, même Do Jin-gi, le polar coréen, là, le portrait de la Traviata, j'ai trouvé même que c'était un petit peu féministe, parce que celle qui est tuée, la femme qui est tuée, en fait, c'est une escorte. Et à aucun moment, elle est jugée par rapport à ça. Et c'était très cool, je trouvais. Ça mettait bien. Le métier d'escorte était assez valorisé, entre guillemets. Voilà, il n'était pas pointé du doigt et je trouvais ça cool. Donc, voilà. Alors que là, putain, c'était chaud. Hein. Franchement, c'était chaud. Vraiment, il y avait des moments où j'étais là, oh, mais merde. Mais après, je me disais, bon, Japon, auteur masculin, années 90... Je suis pas si étonnée, mais bon. Mais voilà. Merci Karine. Donc on en vient au point qui me gêne quand même, parce qu'en plus je l'ai eu en SP, je l'ai eu en service presse sur NetGalley. Belfond, pourquoi publier un livre de 1997? Alors, je sais que La Leçon du Mal, qu'ils ont publié aussi récemment, qui date de 2010, il a connu un franc succès. Donc, ils se sont dit, on va en publier un autre de l'auteur. Ok, mais sauf que l'auteur, il en a écrit d'autres récemment, quoi. Enfin, pas très récemment, mais plus récemment, disons, que La Leçon du Mal. Voilà, pourquoi aller chercher dans ses premiers... Je crois même que c'est un de ses tout premiers romans. Pourquoi aller chercher aussi loin? Et il n'y a personne qui l'a lu, ce roman, avant de le publier. Et les gens, ils disent, bah, c'est bon, allez, on traduit, et puis ça passe. Mais lisez-le, rendez-vous compte qu'il y a des choses qui passent pas aujourd'hui, quoi, Belfond. Bon, Belfond va pas m'écouter, là, hein, c'est sûr, mais je sais pas. Bah, je les ai tagués hein, sur Insta par rapport à ça. Mais coucou Jeanne, j'espère que tu vas bien. Mais voilà, du coup, je ne comprends pas ce choix de publication qui est quand même problématique sur certains aspects. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Et c'est ouais, dommage parce qu'en soi, il y a plein de trucs intéressants dans ce livre, hein, vraiment, mais... voilà, quoi. Le constat final, il n'est pas très glorieux. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, peut-être accélérer parce que... Alors, bon... Même lui, mon Keigo Higashino. Non, en vrai, il m'a pas déçu. Là, par contre, lui, il n'est pas problématique. Merci, Keigo Higashino. Toi, au moins, tu es moderne. Surtout que ces livres sont pas tout récents non plus. Hein. Alors, j'ai pas vérifié, j'avoue, j'ai pas vérifié si c'est la publication ou si c'est l'histoire. Mais l'histoire se passe, je crois qu'elle se passe dans les années 90. Cette divinité du bonheur. Donc je sais pas si c'est le livre qui date de ce moment-là ou pas, mais n'empêche que là, je suis désolée, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas... voilà. Ou ça va juste être des trucs, oui, bon, les femmes sont sensibles, machin, mais ça, c'est voilà, Japon années 90, faut pas s'attendre à... Hein. Merci Michel pour ton abonnement offert à Jeanne, c'est adorable. C'était un one-shot, hein, La Maison Noire. C'était un one-shot. Oui, Odeya, c'est sûr, mais bon, c'est pas agréable à lire, quoi. C'est pas agréable à lire et ça fait un peu chier. Mais voilà. Bon, là Keigo, non. Keigo, c'est toujours, ça restera toujours mon chouchou. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, bon, après toutes ces désillusions, je vais sortir un Keigo. C'était avant La Maison Noire, quand même, parce que La Maison Noire, après, je l'ai eu après en SP. Mais je vais sortir un livre doudou, voilà. Qui n'est pas un one-shot, celui-ci, c'est le tome 3 de la saga de l'inspecteur Kaga. Donc le premier, c'était Les Doigts Rouges, et le deuxième, c'est Le Nouveau. Le Nouveau, qui pour moi, un de mes livres préférés, que j'ai absolument surkiffé. C'est marrant, hein, 2 livres d'affilée, là, où il y a un précédent, c'est dans mes livres préférés de tous les temps, et après, non. Ça arrive. Et donc ce tome 3, les 7 divinités du bonheur, donc en fait on est... donc il va y avoir un meurtre, c'est un homme qui est assassiné en pleine rue, d'un coup de couteau, en pleine poitrine. Bisous. Je te remercie Viviane. Bon c'est pas top hein, aujourd'hui Eva, hein, ça saoule, ton bilan lecture il saoule, alors je me casse, allez salut. Bisous Viviane, merci d'être passée. Bonne nuit. C'est pas top. Ouais, en fait j'ai compris après coup, mais j'espère que ça va aller mieux en tout cas Viviane. Bon courage. Mais c'est vrai que ta phrase portait à confusion, c'est pour ça. Bisous Viviane, courage à toi en tout cas. Repose-toi bien surtout. Mais oui, c'était bizarre dit comme ça. T'inquiète. Non, ça m'a fait rire en vrai. Parce que je me doutais que c'était pas de moi que tu parlais. Bon, c'est pas top, hein. Ton live. Bon, cela dit, c'est pas faux. Là, pour l'instant, mes lectures, c'est pas très pump up. Hein. J'avoue, je suis en train de parler de trucs qui m'ont saoulée. Bon, c'est sûr que ça fait pas très envie. Je suis désolée. Non, vous inquiétez pas. Hein, ça va pas être tout le temps comme ça. Donc oui, il y a eu un meurtre. Hein, donc un homme assassiné en pleine rue d'un coup de couteau. Il va mourir à l'hôpital sans qu'on ait pu savoir quoi que ce soit qu'il avait assassiné, etc. Et il se trouve que dans le même temps, il y a un autre homme qui va être admis à l'hôpital, il est dans le coma. Et on a retrouvé sur lui les papiers de l'homme assassiné. Et donc tout porte à croire que c'est lui, et donc c'est un crime crapuleux, parce qu'il avait son portefeuille. Hein. Donc tout porte à croire que c'est un crime crapuleux. Il a voulu lui agresser pour lui prendre son portefeuille, il l'a tué, et voilà, et il s'enfuit. Surtout que l'homme a appelé, donc l'homme qui est dans le coma, a appelé sa petite amie. Alors, je vais vous dire après pourquoi il est dans le coma, hein, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout dans le coma. Donc, a appelé sa petite amie pour lui dire, j'ai commis une grosse bêtise, etc. Et en fait, après avoir appelé sa petite amie, il va être percuté, en fait, il fuyait, et il va être percuté par un camion. Par un bus, je sais plus, enfin bref, il a été percuté et donc voilà pourquoi il est dans le coma. Donc voilà, on se dit bon ok, ça semble jouer d'avance, voilà. Et donc la police se dit bon bah écoutez, franchement ça va être facile hein, l'enquête, mais bon quand même, donc il y a l'inspecteur Kaga hein, qui est au milieu de ça, et l'inspecteur Kaga comme il est pas né de la dernière pluie, voilà, il se dit ouais mais attendez quand même parce que il faut qu'on soit sûr, il faut attendre que l'homme sorte du coma et qu'il nous dise ce qui s'est passé, etc. Le problème, c'est que l'homme dans le coma va mourir. Voilà, voilà. Et donc, ils vont devoir enquêter parce que vu qu'il est mort, il ne peut rien avouer et forcément, bah, ils sont bien obligés. Voilà, on ne peut pas se baser juste sur des suppositions pour enterrer l'enquête, enfin, voilà, pour classer l'enquête, je veux dire. Et du coup, ils vont enquêter. Écoutez, c'était hyper banal, en fait. C'est le problème. Le problème, c'est que c'était hyper banal. C'était voilà, c'était une enquête, c'était sympathique. C'était sympathique, c'était une petite enquête policière, voilà. On sait savoir pourquoi, machin. C'était pas hyper original. C'était pas hyper prenant non plus. Voilà. C'était sympa. Il n'y avait pas de trucs problématiques. C'était crédible. Voilà, c'était crédible. Tout est carré. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bisous, Viviane. C'était voilà, c'était carré, c'était parfait. Mais sauf que bon bah, je me suis fait chier quoi, un petit peu. Voilà, c'était pas la folie au niveau suspense, au niveau révélation, rebondissement, machin. C'était vraiment pas la folie. Donc j'étais bon bah, troisième enquête de l'inspecteur Kaya, Keigo là, t'as pris un coup de mou là, là-dessus hein. Ça va pas du tout tout ça. Hein. Donc j'espère que les prochains seront mieux parce que ça va pas. Coucou Jenny, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc ouais, déception. C'était sympa, hein, mais voilà. Ça cassait pas trois pattes à un canard et je m'attendais à mieux de cet auteur, pour le coup. Autant vous dire que c'est évidemment pas le livre à lire pour commencer avec Keigo Higashino, d'une part parce que c'est pas ouf, et d'autre part parce que c'est un tome 3. Donc ne lisez pas ce livre si vous voulez lire cet auteur. Je vous le dis de suite, voilà. Lisez plutôt Le dévouement du suspect X, qui est pas l'inspecteur Kaga, mais qui est excellent. Bref, voilà pour celui-ci. Alors, putain, j'aurais lu de l'asiatique, j'aurais lu du japonais surtout. D'ailleurs, je suis encore dans le japonais, mais ça je vous le dirai à la fin. Mais bon, je crois que même mes chouchous, putain, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'était le mois maudit. C'était vraiment le mois maudit en fait. C'est que tous mes chouchous, que j'ai sortis à chaque fois en me disant « Ah, ça va être bien », bon, c'était bien, hein. Junji Ito, c'est toujours bien, je me trompe pas avec lui, mais quand même, c'était un Junji Ito mineur, quoi. Donc, Les cauchemars de Mimi, de Junji Ito, c'est un manga, hein. C'est un manga grand format. Moi, je suis très, très fan de cet auteur, un auteur d'horreur. Je suis extrêmement fan. J'adore ses graphiques, j'adore ses histoires, j'adore ses petites morales, etc. C'est fabuleux. C'est ultra original. Donc là, en fait, on suit le personnage de Mimi qui va vivre en fait des petites histoires. Alors, c'est basé sur un livre. C'est basé sur un livre qui va vivre des histoires horrifiques, en fait, voilà. C'était bien, c'était très sympa à lire, hein. J'ai bien kiffé, voilà, j'ai bien kiffé ma lecture, comme d'hab avec Junji Ito. Mais après voilà, ça n'a pas été aussi transcendant que d'autres, c'était mineur, c'était pas les meilleures histoires de Junji Ito. C'est pour ça que je vous dis, putain, même avec mes chouchous, j'ai été déçue, quoi. Enfin voilà, chaque fois je m'attendais à un truc de ouf, et en fait, non pas trop, mais bon. Ah ouais, toi aussi, Alice, c'est compliqué dans tes lectures. Des mémoires d'un chat, ah, bien sûr. Oui, alors j'avais déjà fait je me posais la question sur refaire une tier list livre asiatique parce que j'avais déjà fait ça l'an dernier. C'était pas une tier list. C'était plus un top, c'était une recommandation. Mais oui, je pourrais faire ça sous la forme de tier list. Why not? Mais ouais, j'avais déjà fait un top de mes 30 recommandations de romans asiatiques. Non, Les mémoires d'un chat, c'est pas de Keigo. Ah, Keigo, il suit de près avec Le dévouement du suspect X. Il n'est pas très loin derrière. Et oui, je sais, t'étais pas là, mais c'est vrai que j'ai des nouvelles personnes et tout. Donc ouais, je referai, j'essaierai. Depuis, j'ai eu d'autres lectures aussi. J'essaierai de refaire un petit... peut-être, ouais, pourquoi pas, une petite tier list. Ça pourrait être sympa. J'essaierai de faire ça en mai, juste avant Lisons l'Asie. Donc voilà. Pour, pas grand-chose à dire, en fait. Les cauchemars de Mimi. Ensuite, alors, La dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, qui m'avait été fortement recommandée justement lors d'une tier list. C'était une tier list sur voilà, la transition et tout trouvé, sur les sagas nordiques. Voilà, et il se trouve que j'avais oublié, scandale, j'avais oublié cette saga dans ma liste. La saga donc de La dame de Reykjavik. Et donc voilà, tout le monde était dithyrambique, ah c'est génial, voilà, on l'avait classé dans chef-d'œuvre, etc. Donc moi j'avais dit, bon, faudra que je tente cette histoire, voilà. En plus, cet auteur, j'ai lu qu'un livre de lui, c'est celui avec Catherine Jacobsdottir, la première ministre, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je me suis dit, et là, il se trouve que je l'ai trouvé sur Audible, et je me suis dit, allez, je vais me le faire en audio, là, voilà, j'ai plus rien à lire en audio. Qu'est-ce que je vais me faire en janvier? Bah tiens, je vais me faire ça. Bon, le problème... Non, en vrai, il est quand même haut placé. Donc, c'était une excellente lecture. Le problème, c'est que je crois que... J'aurais dû le sortir à un autre moment parce que j'étais... C'était au moment de mon overdose des thrillers, en fait. C'était au moment de mon overdose des thrillers. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que je pense que si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais vraiment surkiffé. Mais là, voilà, je crois que j'ai commencé à avoir un peu marre des thrillers avec enquête. Et du coup, j'ai moins kiffé ma lecture. Et mais c'était très bien parce que voilà, je me suis beaucoup attachée au personnage de Hulda. Donc c'est Hulda, justement, qui est une sexagénaire qui est proche de la retraite. Et un jour, ben, son chef va... Donc, j'ai oublié de préciser qu'elle était policière, peut-être. C'est mieux. Et un jour, son chef va lui proposer de prendre sa retraite anticipée en lui disant, ben voilà, en gros, on a engagé un petit jeune à ta place et on aimerait bien le faire commencer rapidement. Donc, si tu pouvais te casser, s'il te plaît. Voilà, c'est littéralement ça. Et... Ah oui, c'est vrai, Alice, t'avais aimé ? Et donc Hulda a dit mais non mais attends mais je vais pas partir comme ça, désolée mais non j'ai le droit de pas prendre ma retraite et tout. Et donc son chef va trouver un compromis, il va lui dire bon écoute je te laisse une dernière affaire, allez je suis sympa, c'est un peu le dernier repas du condamné quoi, allez je te laisse, vas-y choisis dans tous les cold cases là, les machins qu'on a, vas-y choisis ce que tu veux, allez fais ta life. En gros, c'est ça. Et du coup, elle va effectivement s'emparer d'une affaire classée qui avait été prise en charge par un de ses collègues qu'elle déteste. C'est un mec super arrogant et tout. Et donc, c'est une jeune femme, une immigrée russe, voilà, qui a été assassinée. Elle était dans un foyer, et puis elle venait d'obtenir son titre de séjour. Donc, elle était super heureuse et tout, et malgré tout, on l'a retrouvée morte, et bon, finalement, on n'a pas eu d'explication. Et d'ailleurs, je me demande si ça n'avait pas été conclu par un suicide, je sais plus. Enfin bon, bref, peu importe. Et donc, Hulda va reprendre l'affaire, et voilà, c'était extrêmement intéressant, surtout ce personnage, en fait, voilà, de Hulda qui est un peu désabusé, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens que j'aime pas. c'est surtout que, bah oui, elle se rend compte que, voilà, elle est vieille, enfin, pour elle, voilà, elle se sent vieille, elle n'est pas vieille, mais elle se sent vieille, en tout cas, par rapport au fait que, ben, voilà, tout le monde lui fait ressentir qu'elle est trop vieille, qu'elle doit laisser la place aux jeunes, etc. Et en plus, c'est une femme, donc d'autant plus, voilà, elle subit un peu aussi le sexisme. C'était hyper intéressant pour ça, voilà, j'ai adoré. Et voilà, et puis les rebondissements, les révélations, et puis la fin est géniale et très surprenante, on va dire, voilà. Et j'ai envie de lire la suite. J'ai très envie de lire la suite. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est juste que j'ai pas eu une sensation de waouh, c'était trop bien et tout ça. Voilà, mais je pense que c'est vraiment parce que J'étais dans cette overdose de thriller qui a gâché un petit peu le truc. Je pense vraiment que c'est ça. Et je suis persuadée que si je l'avais lu à un autre moment, ça aurait été mieux. Et du coup, je vais me laisser du temps pour lire le tome 2. Et voilà. Parce que je veux que le tome 2, il soit... Je veux être dans de bonnes dispositions pour ce tome 2, quoi. Vraiment. Ce que j'espère. Voilà, mais c'était... Ouais, j'aurais pas dû le lire à ce moment-là. C'est con, hein. C'est con parce que je suis sûre que j'aurais pu se kiffer. Ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Il reste deux tomes. J'ai le temps de me rattraper sur la question. Mais j'avoue que je suis très très curieuse du tome 2, pour le coup, vu la fin du 1. Voilà pour celui-ci. Alors, celui-là qui était ultra original, j'avoue que j'étais vraiment surprise. C'était un SP Netgalley, mais en audio. Celui-ci aussi, je l'ai aussi lu en audio. Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. Donc, en fait, je sais pas, je pensais être dans un thriller young adulte. Alors, c'est bien du young adulte, mais je trouve quand même que... En fait, l'écriture fait young adulte. J'en suis arrivée à cette conclusion. Et c'est peut-être ça qui... C'est peut-être là où le bas blesse, j'ai trouvé. Mais l'histoire, elle n'est pas du tout young adulte. Hein. Pour le coup, l'histoire est vraiment pas young adulte, j'ai trouvé. C'est du fantastique, en fait. Donc, dans cette histoire, on suit trois sœurs. On va suivre principalement la plus jeune, qui est la narratrice du roman, qui a... Je sais plus, je crois qu'elle vient d'entrer à la fac, qu'elle doit avoir 18 ans. Je sais plus. Bref, elle est jeune. Et elle a deux grandes sœurs. Elles sont très, très, très proches, toutes les trois. Et le truc, c'est qu'en fait, elles ont, quand elles étaient petites... Bisous, Laurence! Et bisous, Jodiane. Bonne soirée à toutes les deux. Jodiane, tu fais rire. Ouais, c'était vraiment pas top ce soir, hein. Franchement, remboursez, quoi. Même si c'est gratuit. Remboursez les abonnements. Bisous, bisous, bonne nuit. Dormez bien, les filles. Reposez-vous bien. Et merci d'être passées. Ouais, quand elles étaient petites, les sœurs... Elles ont disparu. En fait, quand elles avaient 8 ans, elles ont disparu un jour sous la... Elles étaient avec leurs parents et elles ont disparu de leur champ de vision, en fait. D'un coup, comme ça, c'était bizarre parce que c'était dans une rue, pourtant, où, voilà, c'est très difficile de disparaître comme ça. Et elles ont finalement été retrouvées. Mais depuis, elles ne sont pas les mêmes. En fait, depuis cette disparition, elles se sont découvertes un genre de... pouvoir. Alors, ces disparitions dont elles n'ont pas trop de souvenirs, en fait, et c'est un peu le trou noir, quoi. Et elles ont une espèce de pouvoir. Elles peuvent contrôler les gens en les touchant, en les embrassant. Enfin, voilà. Il y a vraiment un truc de séduction. Et elles arrivent comme ça à contrôler les gens. Mais la petite sœur, qui s'appelle Iris, elle a jamais voulu utiliser ce pouvoir. Parce que ben, voilà, pour elle, c'est pas honnête, etc. Par contre, les grandes sœurs, elles en usent un peu, surtout la plus grande, qui est d'ailleurs une star. Elle est devenue mannequin, elle est devenue femme d'affaires, elle a créé sa ligne de vêtements, etc. Machin. Donc c'est vraiment une influenceuse ultra célèbre sur Instagram. Et elle, par contre, bah oui, elle abuse de son pouvoir. Et en plus, elle est super belle et tout, machin. Donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, cette grande sœur, justement, la star, va disparaître. Et les deux autres sœurs vont donc enquêter pour la retrouver. Voilà. Et là, on va comprendre, en fait, ce qui s'est passé quand elles avaient 8 ans, etc. Ce qui s'est passé maintenant, et voilà, d'où vient ce pouvoir, etc. Et c'est un truc de gueudin. J'avoue que je ne m'attendais pas, c'est du fantastique, hein, je précise, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à un truc comme ça, vraiment, j'étais la première surprise, mais c'était cool, c'était super original, c'était un peu trashouille quand même, c'est pour ça que je dis que, ouais, l'écriture faisait un peu young adulte, mais quand même l'histoire est un peu trashouille quand même. Voilà, il y a des passages bref, mais c'était vachement bien. Bisous Julia, bonne soirée, bonne nuit. Putain, moi même quand je me lève à 6h30 le lendemain matin, j'arrive pas à me coucher aussitôt, quoi. C'est impossible pour moi avant 22h, oh là là, jamais de la life. Et voilà. Et du coup, ouais, c'était vraiment une très très bonne surprise, ce roman. J'ai beaucoup aimé. Le seul truc, voilà. Les deux trucs qui m'ont un peu déçu, c'est l'écriture, que je trouve un peu gentillette, et le personnage d'Iris, qui est quand même la narratrice, que j'ai pas... Voilà, j'ai trouvé un peu trop passive, en fait. Un peu passive. Pas hyper intéressante comme protagoniste. Mais voilà. Mais sinon, ouais, c'était un très bon livre que je recommande. Voilà. Bon, après, faut aimer le côté fantastique, horrifique, hein, un peu horrifique. Voilà. Mais c'était... Je m'attendais pas à ça. C'est une autrice australienne, pour la précision. Ah ouais, mais voilà, pareil. Mais pareil, Bubu, je peux pas m'endormir avant minuit, c'est un truc de fou, quoi. Ou alors, faut vraiment que je sois hyper crevée. Oui, c'est vrai, Odea, c'est vrai qu'aller se coucher. Mais moi, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Moi, quand je vais me coucher, c'est pour aller... Alors souvent, c'est plus écouter un livre audio. Parce que j'aime bien écouter un livre audio avant de m'endormir, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment... Donc, à chaque fois, je sais qu'il faut que je me couche une heure avant parce que, voilà, je vais mettre une heure un peu pour... Donc, oui, je comprends. Voilà pour celui-ci. Il en reste deux. Et donc, le copain Stéphane, et oui, il est bien haut placé, avec son recueil de nouvelles La Bascule, qui m'a envoyé assez récemment, d'ailleurs. Et du coup, bah ouais, je me souviens que c'était un moment... je sais plus quand c'était. C'était en début de semaine, je crois que c'était lundi. Je crois que c'était lundi soir où je m'étais dit... Ouais, je crois que c'était lundi soir... Je savais pas quoi lire. J'étais en mode, putain, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me dit. Là, j'avais lu le Junji Ito pour dire à quel point je savais plus quoi lire. J'ai lu un graphique en read with me, quoi. C'était n'importe quoi. C'est un pote à lui, je crois, parce qu'il le remercie dans... Il y a un remerciement pour la couverture. J'avoue que la couverture, elle est très belle et ça me fait grave penser aux couvertures des éditions Le Bélial, pour le coup. Quand j'ai vu la couverture, je fais, putain, on dirait trop... On dirait pas trop les éditions du Bélial, vraiment. Parce que d'ailleurs, on en a vu une tout à l'heure avec La Maison des Jeux. Mais, ah oui, ça doit être ça, ouais, Brian. Ah, mais oui, c'est lui, je viens de percuter. Attends, mais c'est bizarre parce que tu me dis ça, là, je percute son nom, mais je me rappelle pas. Ou alors, il a dit que Brian et pas son nom de famille, je pense. Parce que du coup, oui, je vois Brian, mais oui, il est connu, lui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je m'en rappelle. On le voit plus, d'ailleurs. On ne voit plus Brian. Putain, Steph, je sais pas comment tu fais. Par contre, 5 heures de sommeil, c'est chaud. Donc oui, voilà, tout ça pour dire que je savais pas quoi lire. Et en fait, je me suis dit, ben, tiens, je vais partir sur les nouvelles de Stéphane. Parce que, au moins des nouvelles, l'avantage, c'est que, bon, s'il y en a une qui plaît pas, il y en a une autre qui peut plaire, etc. Voilà, ça reste des petites histoires courtes. Donc c'est toujours mieux que de se lancer dans un roman où on sait pas trop où on va aller. Ah oui, t'as beaucoup aimé Kanaka. Moi aussi, j'avais adoré Kanaka, pour le coup. Et, alors, autant Il pourrait bien neiger, j'avais beaucoup aimé, mais il y avait pas mal de nouvelles que, voilà, c'était... L'humour de Il pourrait bien neiger, j'avais pas été de ouf, parce que, bon, voilà, c'est un peu l'humour beauf / boomer de Stéphane, hein, on va pas se mentir, c'est le truc que j'aime pas chez lui. Voilà, je lui dis à chaque fois. Et il était assez prégnant dans Il pourrait bien neiger, qui est un autre recueil de nouvelles que j'avais lu de lui, ben, ce mois-ci aussi d'ailleurs, enfin en janvier. Mais celui-là, voilà, il m'a dit, mais celui-là, c'est un recueil de nouvelles horrifiques. Du coup, je lui dis, tiens, ça change un peu. Et en vrai, je me suis régalée. Voilà, bon, j'en avais déjà parlé, mais du coup, voilà, je suis en bilan lecture, donc je me suis régalée dans ces nouvelles. Alors, j'ai pas tout aimé, notamment, je crois que c'est la dernière que j'ai pas trop aimée. Mais alors c'est marrant parce que la dernière, il me disait que c'est justement la moins, c'est la seule qui est pas horrifique en fait, où il a voulu mettre un peu de douceur, etc. Et bizarrement, j'ai pas trop accroché à la dernière. Mais après, je les ai toutes plus ou moins aimées et il y en a notamment deux que j'ai surkiffé particulièrement, vraiment. Il y en a une. Je ne vais pas me rappeler du titre, par contre. C'est l'histoire, le héros s'appelle Victor, par contre, je me rappelle. C'est l'histoire d'un gars qui est un peu paye pas de mine, quoi, un peu limite, un peu un loser, en fait, qui a un travail de comptable dans une imprimerie. Putain, je me rappelle de ça, quoi, c'est un truc de fou. Et en fait, le truc, c'est que un jour, en revenant du travail, il va se rendre compte que sa vie a changé. Et en fait, pendant, je veux pas en dire trop, parce que je veux pas spoiler, parce que c'est quand même une nouvelle, c'est assez court. Et en fait, pendant la nouvelle, il va plusieurs fois changer de vie. Je ne dis pas pourquoi, comment, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait, qu'on comprend la façon dont c'est fait, on comprend, mais jamais Stéphane ne le dit clairement, en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il prend pas les lecteurs pour des cons. Il dit pas clairement les choses, c'est à nous un peu de deviner. Bon, c'est facile de deviner, hein, je veux dire, mais j'aime bien cette idée-là, en fait. Et du coup, ouais, franchement, je me suis régalée à suivre les péripéties de Victor, là, qui à chaque fois découvre qu'il a changé de vie. Voilà, c'était vachement bien. Alors là, c'est pas très, très horrifique, mais l'idée était géniale. Et celle que j'ai préférée, c'était les morsures. Et pareil, je vais pas dire de quoi ça parle, parce que je pense que c'est pareil, voilà, on comprend petit à petit les choses. Mais en gros, voilà, ça commence par un couple de septuagénaires, qui, c'est un couple très, très gentil, etc., voilà, que tout le monde appréciait dans le quartier et tout, et qui va être retrouvé assassiné avec la gorge arrachée, en fait. Et ça commence comme ça. Et il va y avoir d'autres événements. Et en fait, à plusieurs endroits comme ça, et on va recouper les choses. Et on va comprendre, en fait, ce qui se passe. Et c'est génial. J'ai adoré cette nouvelle. J'ai kiffé. Je lui dis d'ailleurs, putain, mais si tu fais un roman comme ça, sur le même principe, moi, je kiffe. Hein. Mais après, voilà, c'est des trucs. Est-ce que ça peut tenir sur un roman? Je ne sais pas. C'est vraiment, voilà, le format nouvelle, il est particulier quand même. Et voilà, vraiment, et il y a d'autres nouvelles comme ça, assez excellentes, où il n'y a pas forcément, des fois il y a un peu des fins ouvertes, des fois voilà, il n'y a pas forcément d'explication aussi, mais c'est pas grave, c'est juste un kiff de lecture, de petits rebondissements, de petites révélations, de voilà, et... oui, le petit Lebanski, je l'ai lu, et comme je disais, finalement, après avoir lu pas mal de livres de Stéphane, c'est celui finalement que j'ai le moins aimé. Alors, Odea, elle n'est pas d'accord avec moi, hein. Mais je l'ai beaucoup aimé, hein. Je l'ai beaucoup aimé, je précise, le petit Lebanski, j'avais vraiment beaucoup aimé, mais c'est juste que c'est celui qui m'a le moins touché, en fait, voilà, par rapport à ce que j'attends dans mes lectures, voilà. C'est vraiment par rapport à moi, hein. C'est pour le coup, mais sinon, il est très bien écrit, il est original, il y a pas mal quand même de choses assez touchantes dedans aussi, mais Stéphane, il arrive à être très... il arrive quand même à toucher le lecteur ou la lectrice. Hein. Moi, je suis toujours étonnée quand je lis des livres de Stéphane, de voir qu'il est assez différent finalement dans son écriture que ce qu'il est dans le chat quand il fait le con, etc. Ou quand il est vachement élitiste et tout. Enfin, très boomer aussi. Alors, des fois, son côté boomer, hein, se ressent dans ses livres, je lui dis, hein, d'ailleurs, quand c'est le cas. Mais c'est pas toujours le cas. Et voilà. Et celui-là, La Bascule, j'ai trouvé assez moderne par rapport à d'autres livres de lui. J'ai vraiment adoré. Voilà. C'était un bon kiff de lecture. Alors, ça m'a pas sorti de ma panne. Malheureusement, ça m'a pas sorti de ma panne parce que, bon, bah, après, il fallait revenir quand même à des romans et je crois que c'était compliqué. Oui, bien sûr, il a un cœur. Hein. C'est clair qu'il a un cœur. Hein. Ça, je le vois. Et puis, en plus, avec ses dédicaces à ses filles et tout ça, machin, c'est trop mimes. Mais voilà, mais il fait un peu trop le... un peu trop le macho, machin, quoi. Donc, bon. Mais oui, sa plume est très belle, à Stéphane. Merde. Pourtant, j'ai de l'eau encore. Voilà. Pour celui-ci. Et enfin, le dernier, qui est un coup de cœur. Pour le coup. Vraiment, c'est mon deuxième gros coup de cœur du mois, là. C'est « Dès que sa bouche fut pleine » de Juliette Houry. Ce livre est vraiment un ovni. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Mais j'ai surkiffé. je sais pas si ça plaira à tout le monde. C'est vraiment pas... Autant les nouvelles, là, je peux vous dire, allez-y, autant celui-ci, je peux pas vous dire, allez-y, les yeux fermés, parce que je sais pas si ce style va plaire à tout le monde, vraiment. Mais moi, j'ai adoré. Dans cette histoire, en fait, on va suivre. Putain, est-ce que je vais me rappeler du prénom? Parce que celui-là, je l'ai lu il y a bien 3 semaines. Hein. Enfin, c'était juste après. J'étais en train de le lire quand j'ai fait mon dernier bilan lecture. Ouais, tu vas comprendre le titre. Putain, je me rappelle plus de l'héroïne. Ah mais attendez, parce qu'en plus je... Mais est-ce que c'est... Oui, parce que je vais vous lire un petit... Je vous lirai un petit passage après. Est-ce qu'il y a le nom de... Laetitia. Voilà, c'est bon. Laetitia. C'était un prénom très commun, c'est pour ça. Ah, trop bien, Bubu. J'espère que ça va te plaire. Donc, on va suivre Laetitia. Alors, on est dans un... Pour la précision, tout d'abord, on va commencer quand même par le plus important. Calme-toi, la caméra. On est dans un monde... Alors, c'est pas dystopique, c'est un... On va dire un genre de monde parallèle. Voilà, on va appeler ça comme ça. C'est pas vraiment une dystopie. Stéphane il était là en soum-soum. Ah là là, le fourbe. Putain, en plus, t'étais à Florence, enfoiré. Ah, tu m'as dégoûté. Ah non, voilà, c'est pas Brian. Je savais plus qui t'avait cité. Mais c'est pour ça que je me disais, si ça avait été Brian, ça m'aurait tilté quand même. Ok, c'est ton frère. Autant pour moi, pardon. Tu vois, j'avais lu hein, les remerciements, mais j'ai pas... Pardon, Stéphane. Mais tu pouvais parler, hein, t'avais le droit. T'avais le droit de répondre à la question. Donc voilà, c'est son frère qui a fait la couverture. Elle est très très belle en tout cas, la couverture, vraiment. Et vraiment, bien ouais, le frère. Voilà. À plus du coup, bah, j'espère que tu t'es régalé à Florence, mais j'en doute pas. J'adore Florence. J'y suis allée 2 fois. À chaque fois, c'était génial. Bref, voilà. Autant pour moi du coup. Moi et ma mémoire pourrie. Donc, on est dans un genre de monde un peu parallèle où les rôles du sexe et de la nourriture sont inversés. Alors, attention, je vais expliquer et en même temps, comme ça, je pourrais raconter un petit peu l'histoire. Donc, en fait, dans ce monde, le sexe, c'est parfaitement normal, habituel. Voilà, le sexe a le rôle de, pour nous, la nourriture, c'est-à-dire, bon, voilà, nous, on mange... bah déjà pour vivre hein, mais aussi parce que bah, on aime bien manger, c'est aussi un prétexte pour faire des soirées entre amis, voilà, enfin voilà, c'est le repas fait partie de nos habitudes, et là bah, c'est pareil avec le sexe. Donc voilà, et même les gens ne baissent pas qu'en couple, hein. ils vont baiser entre amis. Oui, parce qu'elle utilise le terme baiser à la place de dîner, en fait, c'est rigolo. Donc les gens vont baiser entre amis, voilà, donc entre collègues, voilà, tout va bien, c'est normal, c'est très rigolo. Il y a rien, je précise que c'est pas pornographique ou quoi, hein. Alors évidemment, il y a des scènes, mais c'est pas... c'est ledge, hein, voilà. Mais c'est très rigolo. Et la bouffe, par contre, la nourriture a subit le même tabou que nous avec le sexe, c'est-à-dire que on ne parle pas de nourriture comme ça à n'importe qui, voilà. On ne mange qu'en couple, hein, ou sinon dans des établissements spécialisés qui pour nous ce serait des bordels, eux c'est des restaurants. Voilà, mais vous voyez un peu la comparaison, quoi. Et voilà, et on ne mange pas devant les gens, évidemment, bien sûr, voilà, ça ne se fait pas. Et donc, en fait, du coup, la nourriture, c'est quelque chose d'assez sacré dans ce monde. Et bon, ils ont quand même besoin de manger pour vivre. C'est un peu le point commun, quand même, qu'ils ont avec nous. Mais sauf que, du coup, ils vont manger des espèces de barres protéinées, machin, qui n'ont aucune saveur, en fait, parce que dès qu'il y a un goût, en fait, c'est là que c'est assimilé au sexe. Voilà, c'est pas tant le fait de manger, c'est le goût. Et du coup, donc, ils vont manger des barres pour se sustenter. Mais pareil, il faut que ce soit fait un peu en cachette. Voilà, c'est vraiment, attention, quoi. C'est comme si, c'est un peu la même action que se masturber. Hein, c'est vraiment le même truc, même délire. Et C'est tellement ça, c'est très rigolo. Et donc voilà, donc on est dans ce monde-là, et dans ce monde-là, on va suivre Laetitia. Laetitia, en fait, donc elle a un petit ami avec qui, voilà, ça se passe bien. Sauf que, ben, ça manque un petit peu d'un grain de folie, etc. Et en fait, Laetitia, elle va raconter qu'elle, elle a un rapport avec la nourriture assez particulier. Et il se trouve que quand elle était petite, elle a mangé un jour avec d'autres enfants, elle a mangé des mûres sauvages. Vous voyez? Et donc, nous, dans notre monde à nous, c'est anodin, hein, des enfants qui mangent des mûres sauvages. Sauf que dans leur monde à eux, c'est comme si les enfants, ils jouent à touche-pipi, quoi. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, oh là là, le scandale et tout. Et donc, elle, elle se rappelle juste... Donc, elle se rappelle évidemment que les adultes étaient scandalisés, mais elle se rappelle aussi du goût que ça avait eu. Ça l'avait beaucoup marqué. Et depuis, voilà, elle n'a plus jamais ressenti ça. Et le truc, c'est que, ben, quand même, dans ce monde, on mange... des vraies choses quand on est en couple, en fait. C'est comme le sexe pour nous, quoi, voilà. Et, mais elle, elle a connu que des repas pas cool, voilà, comme nous. En fait, c'est vraiment le même rapport, c'est-à-dire que, voilà, elle, en gros, elle a connu que des trucs missionnaires et elle n'a jamais eu d'orgasme, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Et là, ben, pareil, avec son petit ami qui s'appelle Bertrand, ouais, c'est ça, Bertrand, bon, voilà, il mange pas, quoi. Une petite barre de temps en temps, sans goût, quoi. C'est pas foufinou. Et donc, elle a besoin qu'il se passe quelque chose. Et donc, ben, elle essaye de lui faire comprendre, mais sauf que ça passe pas trop. Et voilà. Et donc, on va suivre un petit peu. Puis en même temps, elle a un petit peu une attirance pour un de ses collègues aussi. Et voilà. Et donc, en fait, elle va décider un jour de prendre des cours de cuisine. Et donc, prendre des cours de cuisine dans ce monde, en gros, c'est comme si nous, on allait à Pigalle ou voilà, dans un bordel pour apprendre à comment... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comment donner du plaisir à son compagnon. C'était un peu ça, quoi, en fait. Hein. Donc, elle va prendre des cours de cuisine pour espérer, en fait... cuisiner quelque chose pour son compagnon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bien. C'est trop génial parce que en vrai, l'écriture, elle est fabuleuse. L'écriture est fabuleuse. Et en fait, elle arrive vraiment à faire ressortir. Et moi, je me disais, au début, mais comment ça va tenir toute une histoire là-dessus, quoi? Comment elle va faire pour tenir toute une histoire sur juste ce truc-là de l'inversion entre le sexe et la nourriture? Bah, en fait, si. Et le pire, c'est que le scénario, en vrai, il tient sur 3 lignes. Puisque c'est effectivement l'histoire d'une jeune femme qui n'est pas bien dans son couple. Si on le ramène à nous, notre monde à nous, en gros, c'est clairement l'histoire d'une femme qui ne s'éclate pas dans son couple, elle ne s'éclate pas au lit, elle a envie de connaître l'orgasme, en gros c'est ça, hein, elle va avoir un orgasme. En même temps, elle est attirée aussi par un collègue de boulot. Du coup, elle hésite, soit voilà, elle veut faire comprendre à son mari qu'il faut que ça chauffe un petit peu entre eux, et sinon elle hésite à aller voir ailleurs. En gros, c'est ça l'histoire, hein. C'est vraiment ça l'histoire. Sauf que la bouffe et le sexe sont inversés, et ça donne des scènes géniales. Et en fait, voilà, et c'est pour ça que je vais vous en lire une, pour vous montrer un peu l'écriture et comment elle arrive à retranscrire les choses de façon exceptionnelle. Fanny. Et donc en fait, je suis désolée, mais je vais devoir vous lire une scène de viol conjugal. C'est vraiment, c'est à peu près ça. Hein. En gros, donc imaginez, voilà, je vais vous expliquer cette scène dans notre monde à nous. Donc à un moment, en fait, Laetitia, voilà, elle explique à Bertrand que, elle a expliqué plusieurs fois, elle fait comprendre plusieurs fois à Bertrand qu'elle veut un peu du piment dans le couple, etc. Il va pas être question de piment, pas là. C'est marrant le terme, mais le terme n'est pas anodin d'ailleurs. Mais bon. Voilà, et donc imaginez, voilà, dans notre monde à nous, en gros, là, la scène, c'est le compagnon arrive, il dit, bon, ok, j'ai bien entendu ce que tu veux me dire, donc vas-y, on va... Enfin, en gros, il la chauffe et il veut faire quelque chose avec elle. Sauf que le problème, c'est que il s'y prend super mal. Voilà, elle veut baiser, elle veut avoir un orgasme. On est d'accord. Lui, Il dit, allez, ok, allez, vas-y, passe à la casserole, allez, hop, on y va, en gros, mais sauf qu'il s'y prend tellement mal que ben, ça lui plaît pas, en fait, puis il pense qu'à son plaisir à lui, au final, il pense pas à son plaisir à elle, finalement, il pense qu'il lui fait plaisir, mais pas du tout, et donc elle lui dit, arrête, arrête, non, je veux pas que ça se fasse comme ça, c'est pas bien, etc., mais lui, il arrête pas. Voilà, donc typiquement, viol conjugal, ça part pas sur de bonnes bases, quoi. Hein. Voilà, donc la scène, c'est ça. Je vous la raconte en version bouffe. Vous allez voir que franchement, on y est, quoi. C'est un truc de fou. Donc, en gros, il arrive avec des sashimi. D'ailleurs, moi, ça m'a fait mal parce que j'adore les sashimi. Mais bon, il faut se rappeler quand même que Laetitia, elle connaît rien à la bouffe. Donc, elle voit ces machins gluants, là, bah, ça lui donne pas très très envie, déjà, de base. Du poisson cru, bon, imaginez quelqu'un qui n'a jamais mangé de sushi. En général, c'est vrai que, voilà, le poisson cru, tu dis, ouais, bon, c'est pas ouf, quoi. Et donc là, voilà. Et donc, je commence le truc où elle dit, elle était écœurée. Bertrand voulait qu'elle goûte. Il voulait même qu'elle se réjouisse, que son appétit soit aiguisé par le contenu de cette sordide petite boîte. Elle avait peur de vomir au moment où elle sentirait cette masse morte sur la langue. Ça ne te plaît pas? Tu n'as pas envie? Tu sais, j'ai vraiment eu du mal à les trouver. Et je préfère ne pas te dire combien ça m'a coûté. Tu voulais qu'on mange davantage ensemble. C'est une bonne occasion, non? Moi qui pensais te faire plaisir. C'est très gentil, fit Laetitia. C'est juste que je ne m'y attendais pas. C'est vrai que j'aurais plutôt imaginé autre chose pour manger ensemble. Peut-être en cuisinant et peut-être avec des ingrédients plus, moins... Enfin, avec des légumes ou des fruits, par exemple. Ok, de toute façon, ça ne va jamais. Le problème, c'est pas le saumon, c'est moi en fait, c'est ça. Ou toi et ta subite envie de cuisiner, ou la personne qui t'a mis cette idée en tête. Le saumon, tu n'as même pas besoin de le cuisiner. C'est simple, c'est propre, c'est rapide. Toi, maintenant, tu veux le grand soir, le grand restaurant, des plats compliqués et des heures en cuisine. Je suis désolée, mais c'est pas mes valeurs. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, à moins que tu ne m'aies menti sur toute la ligne, c'était pas non plus les tiennes. Laetitia rougit et lui demanda pardon. Elle était fatiguée. Il avait raison. « Allez, lança Bertrand, regarde, moi j'en mange un morceau. » Hop, du bout des doigts, il attrapa un morceau de saumon et l'envoya dans sa bouche. Il mâcha bruyamment en ponctuant sa dégustation de « c'est bon, c'est frais » et de « ça fait du bien ». Laetitia le regardait en essayant de se concentrer sur l'acte et d'oublier le contenu. Il y avait malgré tout quelque chose d'appétissant à observer sa peau s'étirer et se détendre, sa gorge tressauter à la déglutition. En gros, là, en train de le regarder se masturber, quoi. C'est vraiment le truc, quoi. Ses narines se dilataient pour mieux sentir le parfum de ce qui était en lui. Tout ça, elle le voulait. Elle sentit une eau, finalement, lui venir à la bouche de cet afflux qui excitait l'arrière de son palais et la naissance de sa langue. « Allez, lui dit-il, à toi. » Elle déglutit et se figea. Elle sourit à Bertrand. Elle espéra qu'il verrait dans ses yeux qu'elle ne voulait pas, mais pour l'instant, il se taisait. Il avait pris la boîte dans ses mains et la tendait vers elle. Finalement, elle espéra qu'il ne voyait pas qu'elle ne voulait pas. Elle espéra qu'il n'était pas en train de la forcer, qu'il était juste ignorant. Sa bouche tremblait, elle fronça les sourcils. Peut-être que sa peur ressemblait à du désir, son refus à de l'impatience. Vous voyez le truc, c'est... Ou peut-être qu'il s'en fichait. Elle attrapa un morceau de saumon, il était froid et glissant, de la chair encore vive. Il s'échappait de ses doigts, elle devait le pincer fort sans trop l'écraser. Elle céda de ses ongles. La chair céda un peu et cela l'effraya. Elle pensa qu'à la place du saumon, ses ongles lui feraient mal. Elle bascula la tête en arrière et prit la tranche de poisson dans sa bouche. Elle sentit l'adrénaline monter dans son corps, la masse de chair lui sembla immense. Elle prenait toute sa place, elle tapissait sa bouche d'une épaisseur grasse et nauséabonde. L'eau jaillit violemment à la racine de sa langue mais ne supprima pas le dégoût, elle eut un haut le cœur. Elle arrêta de respirer pour atténuer cette présence en elle et fit venir de l'air dans sa gorge. Elle ferma les yeux et s'efforça, en mâchant du coin des dents, de toucher le moins possible le morceau de poisson. Elle rouvrit les yeux et Bertrand la scrutait. Elle s'aperçut qu'à cet instant, elle avait peur de lui. Il posa la main sur sa joue, c'était une caresse. Son pouce passa sur sa bouche, puis insista sur son menton. Il voulait ouvrir la bouche de Laetitia, elle résista. Il dit « Ouvre !» Elle fit non de la tête. Il répéta « Ouvre !» Elle ouvrit la bouche, il poussa un râle, il était plus grand qu'elle. Les larmes aux yeux, elle le voyait regarder dans sa bouche, elle voyait son nez frémir et ses lèvres tressauter. Il posa son pouce sur ses dents, l'empêchant de fermer la bouche, et approcha son autre main de son visage. Elle sentit son index appuyé sur sa langue, il la tâtait en différents endroits. Elle savait que sa bouche était encore pleine de saumon, il semblait jouer avec. Par moments, cela clapotait, il enfonça profondément son index dans la gorge de Laetitia. Elle sentit ses autres doigts presser ses lèvres contre ses dents et cela lui fit mal. Il retira son doigt, il le suça un instant, puis l'essuya sur son pantalon. Il dit « merci » et Laetitia ferma les yeux, ferma la bouche et dans un effort terrifiant avala tout. Voilà. Est-ce que je vous ai pas lu une scène de viol, quoi? C'était un truc de malade. Voilà. Et moi, et c'est pas la seule, scène, hein. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des scènes, plus joyeuses, hein, je vous rassure. Mais je veux dire, c'est pas la seule scène, qui est écrite de façon comme ça à ce qu'on comprenne vraiment le rapport entre la nourriture et le sexe. C'était vraiment génial, ce livre. C'est incroyable. Incroyable. Son écriture est vraiment fabuleuse, quoi. Fabuleuse, pardon. Donc, voilà. Du coup, je reprends vos coms. Tu réagis, sinon je vais bouffer ailleurs. C'est un peu ça. Ouais. Oui, c'est ça, Stéphane. Donc, voilà. Ouais, t'as vu, il est terrible, hein, ce passage, hein. C'est un truc de fou, quoi. Et franchement, il y a plein de passages comme ça. Et vraiment, j'ai tellement adoré son écriture, quoi. Et la métaphore, elle est tellement bien faite. C'est vachement bien, voilà. Donc, j'en avais des frissons en lisant. Tellement ce livre m'a marqué, quoi. Et c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment hyper original. Bisous, Michel. Bonne nuit. C'est vraiment hyper original. C'est pas barré, hein. C'est pas barré, en fait, Fanny. Hein. C'est pas barré parce qu'en fait, on est vraiment dans une vraie histoire. Sauf qu'elle a juste essayé d'inverser. Mais parce que, en fait, c'était vraiment la volonté, en fait, de l'autrice. C'est vraiment, voilà, de retravailler, enfin, de mettre en avant un peu notre rapport aussi à la nourriture, etc. Et notre rapport au sexe. Et le fait que peut-être qu'on fait trop de tabous sur le sexe aussi, c'était intéressant justement en retranscrivant ça, enfin en inversant comme ça les choses, de voir quels étaient finalement les tabous de notre société et pourquoi c'était tabou. Et c'était hyper intéressant, je trouve. Franchement, c'était tellement une bonne idée et c'est un premier roman. Et vraiment, je vais suivre cette autrice parce que j'ai absolument adoré son écriture. Et voilà. Et du coup, c'était le dernier... Mon préféré de ces 2 dernières semaines, on va dire. 2-3 dernières semaines. Et du coup, en ce qui concerne mes lectures en cours... Alors, j'ai pas moins de 4 lectures en cours. Oui, parce que du coup, je tente plein de choses. Hein. Je tente plein de choses pour sortir vraiment de ma panne. Donc, tout d'abord... j'avais commencé donc Noir sous surveillance. Coucou Marjorie, t'arrives tout à la fin. J'espère que tu vas bien. J'avais commencé Noir sous surveillance de Robin Maynard, que j'aime beaucoup, mais qui est assez complexe à lire parce que on est sur un essai sur la situation des personnes noires au Canada, mais qu'on pourrait un peu rapporter à la France aussi, parce qu'il y a pas mal de points communs entre les 2 pays. Ça va, je te remercie. Je viens juste de terminer mon bilan lecture. Bah, je n'ai pas encore fini l'enregistrement pour YouTube. Hein. Là, je suis en train de parler de mes lectures en cours. Donc oui, voilà. Mais c'est très, voilà, très complexe, c'est très complet aussi. Et du coup, voilà, en fait, je le lis petit à petit. Je le lis dans les transports. Voilà, je l'avais commencé en Read With Me, je le lis dans les transports, j'en suis à la moitié. Donc voilà, je vais continuer comme ça, je pense en lire... Merci, décidément, c'est la soirée des raids. Merci beaucoup, Hailey. J'espère que tu vas bien et coucou les raiders. Coucou, oui, je viens de finir mon bilan lecture là. J'espère que vous allez bien. Voilà, je parlais un peu de mes lectures en cours avant de conclure. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Je fais des bisous. Donc voilà, celui-là je me le garde un peu pour les transports, c'est très bien. Parce qu'en général, je suis plus concentrée quand je suis dans le train, bizarrement. Hein. Merci pour le suivi, Aria. Tu réserves le reste du temps pour les deux autres tomes de Nevernight? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Ensuite, j'ai aussi commencé le fameux Babel, que ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, celui-ci. Babel de RF Kwang. Du coup, j'ai décidé, comme c'est un pavé et que je ne veux pas retomber dans une panne de lecture... Ah, ok, super, Estelle. Super, super. Je verrai ça, ouais. Ouais, comme c'est une bricasse, j'ai décidé d'en lire un chapitre par jour. Un ou deux chapitres, si les chapitres sont courts, en fait, pour, voilà, pour arriver à tout lire avant la fin du mois. Et là, bah, j'en suis quasiment au quart du livre, mine de rien. Et bah, franchement, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Mais je suis contente de le lire progressivement, en fait. Je pense que j'aurais pas pu le lire d'une seule traite, parce qu'il est... C'est pas qu'il est complexe, parce qu'il se lit très bien et tout, mais il y a quand même pas mal de choses à accumuler, quoi. Je cherche le terme. J'ai du mal. J'ai du mal. Ouh, il est tard. Bref, voilà. Il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, voilà, je trouve ça bien d'en lire un petit peu chaque jour. Assimiler, merci. Oui. Je pense que c'est le bon terme. Il y a beaucoup de choses à assimiler. Merci Marjorie. Et du coup, voilà, je suis bien. Là, je suis contente. Je suis très contente parce que ouais, je suis au quart du livre et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. C'est hyper intéressant. Toute la thématique de la traduction, la thématique de la colonisation, évidemment. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Mais, encore une fois, voilà, je pense qu'il n'aurait pas fallu que j'essaye de le lire d'une traite. Clairement pas, quoi. Et ensuite, j'ai commencé le livre de la nuit du hasard, mon numéro 4, qui est Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Bon, pour l'instant, j'ai lu que 2 chapitres, mais c'est pas mal du tout. C'est ce que j'ai lu, c'est pas mal du tout. J'ai bien kiffé. Voilà, des histoires, c'est un peu des tranches de vie. Hein. C'est un peu des tranches de vie. Mais j'aime bien. Et enfin, voilà, donc plusieurs livres en même temps. Et enfin, en audio, je suis en train de me régaler en audio avec de l'autre côté. Non, pas du tout. L'autre moitié du soleil, pardon. L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie. J'adore décidément la plume de cette autrice. C'est un truc de fou parce qu'à chaque fois, j'ai peur d'y aller. Parce que c'est pareil, c'est des bricasses, hein, voilà, c'est des pavés à chaque fois. Donc, j'ai toujours peur de me lancer dedans. Et pourtant, à chaque fois, je ne regrette pas. Merci, elle, pour ton suivi. Non, parce que j'aime pas le style de Nevernight. J'aime pas du tout le style. Babel, j'adore l'écriture, j'adore la plume. Nevernight, pas du tout. C'est vraiment, quand il y a un problème de style, c'est juste pas possible. Là, non. Non, non. Ah oui, c'est marrant ça, Marjorie. Et donc, ouais, voilà, je me régale avec l'autre moitié du soleil où on parle de l'indépendance du Nigeria, en fait, et de tous les massacres qui ont été commis, notamment par les musulmans sur... le peuple musulman, je ne sais plus comment il s'appelle, sur les Ibo. Et, mais j'y reviendrai plus en détail, évidemment, quand j'en parlerai. Mais c'est pas une histoire de massacre, hein, je précise, parce que dit comme ça fait un peu... Non, pas du tout. On suit vraiment des personnages dans leur vie et tout ça, et il y a cet événement qui va arriver. Et c'est tellement bien, c'est tellement bien écrit, c'est... Oh, j'adore cette autrice, hein. Vraiment, j'adore cette autrice, donc là, je me régale. Et voilà, donc ça va. Pour l'instant, mes lectures, ça va, mais parce que je fais un peu du petit à petit, donc voilà, j'espère que je vais un jour retrouver vraiment le rythme de lecture que j'ai d'habitude, hein, c'est-à-dire vraiment en bouffant les livres. Mais là, pour l'instant, voilà, je préfère faire du petit à petit pour pas me recréer de panne. Oui, elle a une plume magnifique. Elle a vraiment une plume magnifique, quoi. Franchement, je suis vraiment fan de cette autrice. Et c'est... Voilà, c'est comme quoi, hein, y a des choses qui ne changent pas. Alors, ce mois-ci, j'aurais été déçue par des auteurs chouchous. Au moins, elle m'a pas déçue, c'est déjà ça, parce que ouais, c'était un peu la malédiction. Bah, la malédiction de janvier s'est cassée en février, hein, voilà, il faut croire. Hein. Heureusement, j'ai envie de dire, mais voilà. On verra bien pour la suite. Voilà, bon, je vais arrêter l'enregistrement déjà. Du coup, merci d'avoir suivi ce bilan lecture. Donc, le prochain bilan, ça sera d'ici 2-3 semaines, hein, comme d'hab. Je sais plus à quelle date je l'ai mis. Et la prochaine vidéo, je pense que je l'enregistrerai. Ça sera la Books Battle de mes pires lectures cette fois. La dernière fois, j'avais fait mes meilleures lectures de tous les temps. Là, je vais faire mes pires lectures. Ça va être rigolo. Donc, ça sera vraiment pour élire la pire de mes lectures de tous les temps. Même moi, je ne sais pas encore laquelle c'est parce que vraiment, il y a du level. Il y a du level. Mais voilà, je ferai ça mardi soir en live. Et du coup, bon, ce sera posté jeudi dans la foulée. Et voilà, sur ce, je laisse YouTube. Bisous et donc à la prochaine vidéo. Miaou.